Ce que signifie Alléluia. Who can tell me what does it mean? Qui peut me donner la signification d'Alléluia? Who can give me the means? Parce que ce qu'on vient de faire, les gens ne comprennent pas. Because what we have done, people don't understand. Qui peut me dire ce que me dit Alléluia? What does it mean? Hallelujah. Tous les jours, on dit Alléluia. Every day we say Hallelujah. Amen. And you repeat Alléluia. What does it mean? Hallelujah. Qui a une explication? Who have an explanation to this word? Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ira dans la parole de Dieu. Let's go. On va prendre Apocalypse 9. We take the book of Apocalypse 9. Apocalypse chapter 19. Je veux qu'on lise à partir du premier verset. From the first verse. Jusqu'au verset 4, 6. Oui. Jusqu'au verset 6. Apocalypse 19 à partir du Suivez verset 1. Book of Revelation. Après cela. J'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » After these things, I heard the great voice of much people in heaven saying « Alléluia, salvation and glory and honor and power to the Lord our God. » Parce que ses jugements sont véritables et justes. For true and righteous are his judgments. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre. For he had judged the great whore which did corrupt the earth. Par son impudicité. With her fornication. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. And have avenged the blood of his servant at her hand. Et il dit une seconde fois. And again they say. Alléluia. Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. And her smoke rose up forever and ever. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône. And the 4 and 12 elders and the 4 beasts fell down and worshiped God that sat on the throne. En disant Amen, Alléluia. Say Amen. Amen, Alléluia. Tu vas reposer cette partie-là. Et les 24 vieillards. Tu veux bien. Et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône, en disant, Amen, Alléluia. En disant, Amen, saying, Alléluia. Alléluia. En disant, saying, Amen, Amen, Alléluia. Alléluia. En disant, Amen, saying, Alléluia. Alléluia. En disant Amen, saying Alléluia. Amen. En disant Amen, saying Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? En disant Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est un culte de surprise. It's a service of surprise. C'est un culte de surprise. It's a service of surprise. Les mots que nous sortons là. Every word that comes from our world. Ont une grande portée spirituelle. Have a spiritual means. Quand tu dis Alléluia là. When you say Alléluia. Ce que ça veut dire là. What it means. Aujourd'hui, tu le sauras. You have to know it. La prochaine quand tu vas dire Alléluia là. Next time when we say Alléluia, de manière habituelle. You won't say it like you used to say. On a dit, et les 24 vieillards. Et les 4 êtres vivants. Rappelez-vous dans le chapitre 5. On ira là-bas. Aujourd'hui, on va commencer le culte comme ça. Apocalypse 5. The book of Revelation, chapter 5. Apocalypse 5. The book of Revelation, chapter 5. Apocalypse 5, oui. À partir du verset 1. Non, 6. À partir du 6, je lis au nom de Jésus. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. And I beheld and lo in the midst of the throne and the 4 beasts. Et au milieu des vieillards. And the midst of the elders. Un agneau qui était là comme immolé. Stood the lamb as it had been slain. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Having 7 horns and 7 eyes. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Il vint et prit le livre de la main droite.
And he came and took the book out of the right hand of him. De celui qui était assis sur le trône. That sat upon the throne. Quand il eut pris le livre. And when he had taken the book. Les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. The four beasts and 24 elders fell down before the lamb. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Having every one of them harps and golden vials full of odors. Qui sont les prières des saints. Which are the prayers of saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant. And they sang a new song saying. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. You are worthy to take the book and to open the seal. Car tu as été immolé. Therefore for you was slain. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. And have remedied us to God by the blood of every kindred. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. And people and nation. Amen. Regardez bien. Toutes les fois qu'on parle des quatre êtres vivants, on parle également des 24 ans vieillards. When we talk about the five rôle. Old men, leur rôle, ils sont toujours devant la Dieu. C'est comme si c'était quatre rapprochés de l'agneau. And they are very near to him. Toujours devant l'agneau. And they are before the lamb. Et quand nous lisons même au niveau de and when we read, chapitre 4, le verset 8. Apocalypse 4, le verset 8. Oui. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Mm-hmm. And the four beasts have each over six wings. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au dedans. Mm-hmm. And they were full of fire within and the rest. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Mm-hmm. Not day and night saying. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. Holy, holy, holy Lord God Almighty. Le Tout-Puissant. Which was. Qui était, qui est et qui vient. Amen. Is and it's called. On a dit, il ne cesse de dire jour et nuit. Then now he never stop saying. Donc, c'est comme 24 heures sur 24. En so, disant quoi? Saying. Saint. Holy. Saint. Holy. Tu ne peux pas dire saint en étant debout. You can say holy. Mais saint en étant prosterné. But you say holy. Verset 10. And you kneel down. Apocalypse 4, le verset 10. Les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. The 24 elders fall down before him that sit on the throne and worship him that lives forever. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant. And cast the crown before the throne saying. Tu as dit notre Seigneur et notre Dieu. You are worthy, O Lord, to receive. De recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Glory and honor and power. Car tu as créé toutes choses. That you create all things. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. And amen. For your faith they have been created. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous révéler l'identité de ces quatre êtres vivants Lord want to et des 24 vieillards. The identity of those lorsque nous croisons ces deux chapitres. Et celui de 19. When we cross those nous chapters, comprenons clairement we find que out les quatre êtres vivants the four living et les 24 vieillards sont des adorateurs. Alléluia. They are worshippers. Ce sont des adorateurs. They are worshippers. Et il nous faut qu'adorer jour et nuit. Ils adorent quoi? And they worship. Ils adorent l'agneau. En disant quoi de l'agneau? Qu'il est quoi? Qu'il est le Dieu, qu'il a créé, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Il le loue. And they worship him. Alléluia. Amen. Il le loue. They worship him. C'est pourquoi au chapitre 19, le chapitre 19 a expliqué clairement ce que Alléluia dit. Explain clearly what does it mean, hallelujah. 19, verset 1. Verse 1. On va repartir cette partie-là et on va comprendre aujourd'hui. We understand today what that means. Alléluia sincère. And every time when we say Alléluia, our Alléluia shall be sincere. Apocalypse 19, le verset 1. Après cela, and after this thing, j'entendis dans le ciel comme une voix forte. I heard a great voice on much people in heaven. D'une foule nombreuse qui disait, saying, Alléluia. Alléluia. Le salut, la gloire, salvation and glory, et la puissance sont à notre Dieu. Honor and power. Amen. Ceux qui ont fait le français, those who, je suis dit que parmi nous, il doit y avoir des procès de français. The language of regardez French, bien language,
So comment on a écrit ça? On a dit, how they write it. Après cela, after this, j'entendis dans le ciel comme une voix forte, d'une foule nombreuse, crowd of people, d'une foule nombreuse, qui disait, crowd of people, oui, c'est deux points, qui disait deux points, saying, tout ce qui a suivi, what c'est ce que la foule dit, is what people were saying, c'est ce que la foule dit, the light crowd et was qu'est-ce saying, que la foule dit, what the light crowd was saying. Il a dit Alléluia. They say, praise après Alléluia, qu'est-ce qu'on a mis? And after that, what is... On a mis quoi? Point d'exclamation. Exclamation. Mais vous ne faites pas attention à ces choses-là. On a mis point d'exclamation. There are an explanation point. Non, mais point d'exclamation veut dire quoi? When le point d'exclamation. We explanation quel est son sens dans une phrase? What is the meaning in a sentence? Bonjour les français. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Those who are French teachers. Today is today. Point d'exclamation, ça signifie quoi? Dans une phrase. Explanation point means what in a sentence. Il n'y a pas de professeur de français ici. Ça veut dire l'unique. It means unique. Bon, on va parler de manière audible pour que les gens entendent. Oui, papa, qu'est-ce que vous dites? Je dis point d'exclamation. Oui. Exclamation means. Signifie. Exclamation point means. Après lui, c'est l'unique. Il n'y a plus rien. Après lui, c'est l'unique. Il n'y a plus rien. Donc, papa dit que quand le point d'exclamation signifie qu'après lui, c'est fini, il n'y a personne. The explanation point means ma question, c'est que him, there's nobody. Je parle dans le manège en général. Je dis, lorsque je mets point d'exclamation à la fin d'une phrase, when I put an exclamation point, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Sentence, what does it mean? What does it parce express? Que la part du jeu que nous lisons, nous devons faire attention. We are reading, we should pay attention. When we read the je word, fais la portion de français. I prefer French. Oui, teachers. Ça va nous aider aussi à bien méditer la parole de Dieu. It will help her to meditate more. Le point d'exclamation à la fin d'une phrase exprime. Exclamation point at the end of sentence. Ça exprime l'émotion qu'on a. Emotion that we have. Ça exprime l'émotion. Merci, c'est ce que je veux entendre. Thank you very much. That's what I want. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre bien-aimé. Let's clap the hand of God. Then, oh, exclamation. Emotion. Ça dit, ça dépasse. Alléluia. C'est comme une admiration. Merci. Admiration. Alléluia. Amen. Vous avez vu? Alléluia. C'est que ça dépasse. Ça it dépasse. C'est pourquoi Alléluia lui-même. Alléluia. Quelqu'un avait parlé de louange. Effectivement. It means Alléluia, c'est un worship. Symbole de prière. It's a symbol of prayer. C'est un symbole de prière. Quand je dis Alléluia, when I say Hallelujah, quand je dis Alléluia, when I say quand Hallelujah, je dis Alléluia, when I say Alléluia, ça veut dire this means ce que les quatre êtres vivants, the four living et les quatre vieillards, ont proclamé, proclaimed, les yeux disent Saint, Saint, Saint. They are saying, les autres disent tu es digne de recevoir, et les deux. And both of them viennent dire dans Apocalypse, say in the book of Apocalypse, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Parce que quoi? Because parce que au verset on a dit in the verse one, le salut, the salvation, la gloire, the glory, et la puissance, the power, sont à notre Dieu, is Amen, God. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Have you understand? Est-ce que quelqu'un a compris? Has somebody understand? Alors, Alléluia. Alléluia. Voudrait dire means une sorte de louange. Kind of worship. C'est une expression de louange. It's an expression of c'est worship. C'est une grande prière. A big prayer. Et quand je dis big, Alléluia, when I say Alléluia, c'est que je résume toutes les louanges. I make the summary of all worship. À Dieu le Père haut. To God, je résume en Alléluia. And I saw it parce que celui qui dit Alléluia saute dans la joie. The one who says Alléluia is hard in joy. Celui qui exprime l'Alléluia, the one who a reçu une délivrance. Says Alléluia have a deliverance. A reçu une délivrance. Et qui Alléluia? And say Alléluia. C'est ça. Alléluia, c'est le cri Alléluia de délivrance. Is the cry of deliverance. Alléluia. 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 C'est le cri de louange. It is a cry of worship. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible, it's why when you read the book, là on met loué, loué, loué là. C'est Alléluia. C'est ce que ça where dit. There is written
prends la vie des sauts. On louait l'Éternel, louait. Partout, mais louait l'Éternel. Everywhere they put Alléluia. In other versions, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Ça veut dire louange. Alléluia means worship our God to Jesus Christ. Alléluia veut dire louange à l'agneau. Glory to the Lamb. Nous faisons partie de cette foule nombreuse. We are among those qui adorent. People who adore. En esprit. In spirit. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons adorer Dieu en esprit. Lorsqu'on adore Dieu en esprit, alors nous nous voyons les vieillards, les quatre vivants devant l'agneau. Before the Lamb. Et notre esprit est continuellement en louange, en adoration devant l'agneau. C'est pourquoi nous devons comprendre. That's why we have to understand. Lorsque nous proclamons when we proclaim hallelujah, ta maman dit la victoire. Our mom c'est aussi la victoire, hallelujah. It's a victory. Quand tu dis alléluia, when you say tu dis hallelujah, victoire sur le monde. You say tu dis gloire à Jésus. C'est ce que ça veut dire. That's what that is mean. Quand tu dis alléluia, when you say hallelujah, tu remets toute la louange à Jésus give de la all worship to Jesus Christ of Nazareth. C'est pourquoi les chansons matin, that's je fais des chansons alléluia. Our worship des chansons alléluia. Sing que, for us. Que le Saint-Esprit vous inspire. Based on the theme of hallelujah. Aujourd'hui, on va chanter alléluia. We will sing hallelujah. Parce que le Seigneur a accordé une délivrance à son because peuple. Because God gives deliverance to his parce people. Parce que le Seigneur a accordé une délivrance au réveil. Because the acclame Lord le roi des rois. Deliverance acclame Jésus-Christ de Nazareth. Clap for Jesus Christ. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Clap for Jesus Christ.